Le 10e prix Orange est décerné à Joachim Schnerf pour Cette nuit chez Ulma. Con il suo secondo romanzo, Cette nuit, Joachim Schnerf ha seduto la giuria del premio Orange, uno delle centinaia di premi letterari assegnati ogni anno in Francia. Dans ce livre, il y a de l'émotion. Je pense qu'il y a un peu d'humour, de l'humour très noir. On rigole de tout, on rigole même et surtout de la joie. Per questo giovane scrittore, questo 7 giugno non è stato solo un giorno di festa. Ha soprattutto incarnato la speranza di una svolta nella sua carriera. Faut profiter. Bah oui. Ah, puis c'est super avec tout ce qui va se passer dans les semaines et mois à venir, c'est vraiment génial. Un prix de ce type permet d'avoir un lectorat encore plus large, de faire connaître le texte, de le partager, que ça circule un petit peu sur les réseaux sociaux, dans les journaux, dans la presse, en librairie aussi, c'est très important en librairie. Parce qu'avec le prix, ça donne une forme de légitimité au texte aussi, et donc je pense que les libraires vont les recommander encore plus facilement. Appena premiato, il libro di Joachim Schnerf è già in buona compagnia sugli scaffali. Il suo editore si è affrettato a sottolineare il successo ottenuto con una fascetta rossa. Ça, s'il aime bien l'art. Nei consigli di questa libraia, le fascette rosse dei premi non costituiscono però il criterio principale. Je vais mettre le livre, oui, effectivement, un petit peu en avant. Mais je ne partage pas forcément, voilà, ce n'est pas parce qu'il y a un prix que c'est forcément un livre que je vais recommander. Et les lettori, per l'appunto, sono guidati nei loro acquisti dei premi letterari? Ce n'est pas quelque chose qui va guider mon choix dans une librairie. Je ne vais pas me laisser tenter par un prix littéraire plus qu'un autre livre. Peut-être que je suis guidée par le bandeau rouge pour, dans le choix dans une... C'est un ensemble de livres, mais ce n'est pas le bandeau rouge qui me fait acheter, c'est plutôt l'histoire en lui-même. Oui, ça m'influence. Ça m'influence parce qu'en fait, sinon je ne sais pas trop comment choisir les livres. Come aiutare quindi i lettori a scegliere? Alle edizioni Les Lieux de Poche si seleziona anzitutto un campione di titoli che si suppone incarnare la varietà dei gusti dei suoi lettori. Poi lo si sottomette al voto di una giuria che riflette la composizione del suo pubblico di riferimento. È il principio dei premi dei lettori in voga anche presso altri editori. Pour le prix des lecteurs du livre de poche, enfin un certain nombre, dans la catégorie littérature. C'est intéressant d'avoir ce panel de lecteurs qui nous dit dans notre catalogue ce qui les séduit le plus, en espérant donc, nous, maison d'édition, être en phase avec les attentes de notre public. Sylvie Ducasse insegna al Dipartimento delle Professioni del Libro dell'Università di Parigi Nanterre. Ha dedicato la maggior parte delle sue ricerche ai premi letterari. A suo avviso sono oggi dei tribunali del leggibile, delle istanze che stabiliscono cioè cosa si può e cosa si deve leggere, con una funzione ben precisa. Perpetuer une certaine idée de la littérature lisible aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que le prix doit se vendre en masse, donc il est grand public, et ce grand public, on présume qu'il n'est pas capable de s'accler à des textes trop difficiles. Troppo difficili, dunque, e troppo numerosi. Si presume che il pubblico debba essere aiutato anche a individuare che libri acquistare. Donc le prix littéraire est aussi un outil qui est devenu incontournable pour permettre aux lecteurs, tous noyés dans la masse et dans la jungle des titres, de trouver des espaces ou de créer des espaces qui permettent de trier, de choisir. Che le prime vittime collaterali di questo sistema non finiscano dunque per essere gli stessi autori? Appena una manciata, i libri che emergono grazie ai premi letterari. Lo scorso anno, in Francia, su 600 titoli pubblicati a inizio stagione, solo una trentina sono stati mediatizzati. Gli altri sono finiti presto nel dimenticatoio.